histoire de Jaébet, j'ai compris que si Dieu kama Mungu veut t'élever dans la dynamique des champions, il commence par te faire passer par une péripétie de combat. Tu vas simplement constater que tu es combattu. Tu sors dans ça, tu entres dans ça. Le problème de Dieu, c'est que si tu veux que tu sois établi dans la dynamique des champions, tu dois te battre, vaincre ces combats comme Jaébet a vaincu. Parce que Jaébet, moi je le considère comme un champion. La Bible me dit, Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Alors ce matin, je suis venu te dire, tu voudrais expérimenter la paix de Dieu, tu dois être une femme et un homme de prière et de combat. Tu voudrais expérimenter la délivrance, tu dois être un homme, une femme de combat. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde. Alors en lisant l'histoire de Jaébet, j'ai compris que la vie chrétienne que nous avons choisie, c'est une vie de combat spirituel. Nous devons être des hommes et des femmes de prière pour voir l'accomplissement des promesses, pour entrer dans notre destinée, pour vivre la bénédiction, l'élévation, la gloire, le succès. Dieu t'attend en prière. Dieu t'attend en prière.